Oui, je disais que je tombais le masque, une fois n'est pas coutume. Donc, comme on est en configuration salle de classe, je vais donc faire l'appel des présents et des présentes. Je vous rassure tout de suite, je ne mettrai personne au coin. Donc, on commence. Nadège Azaz. Présente. Stéphane Jacot. Élodie Dorfiac. Lounès Adjroud. Présent. Françoise Monceny. Andy Kangoud. Isabelle Gillard. Christophe Mouton. Mélodie Chalvin. Yannick Mandaba. Martine Gourrier. François Ripaud. François Ripaud. Pardon. Antoine Jouenne. Présent. Linda Fally. Présent. Jean-Pierre Ferré. Présent. Nevenka Canaguier. Présent. Patrick Villechaire, présent. Delphine Nebor. Présent. Antoine Rogissard. Je crois qu'il est, il est absent. Il doit y avoir un pouvoir. Pouvoir à Élodie Dorfiac. Véronica Acevedo Caro. Vincent Vaudour. Ségolène Guertin. Gilles Perronnet, je crois qu'il est absent et qui a un pouvoir à Madame Monceny. Nathalie Pavageau. Présent. Pedro Garcia. Présent. Tan Huyen Duyen. Présent. Alain Coléoc. Mendy Nicole. Présent. Nicolas Bost. Présent. Marine Cavillon. Présent. Jean-Jacques Jacquet. Présent. Anne-Christine Bataille. Présent. Alain Gazot. Présent. Carole Guilherme. La Force Miss Lévis. Thierry Braconnier. Présent. Peggy Nicolas. Présent. David Lefebvre. Présent. Valérie Devey. Présent. Présente. Donc, tout le monde est présent ou représenté, donc le quorum est évidemment atteint. Donc, je vais vous donner lecture des résultats du second tour. Nombre d'électeurs inscrits, 22 350. Nombre de votants, 10 218. Nombre de bulletins nuls, 119. Bulletins blancs, 142. Suffrages exprimés, 99 957. Et le taux de participation, 45,72. C'est le taux de participation le plus élevé du département des Hauts-de-Seine. Si on regarde avec les communes voisines, c'est 3,5% de plus que Clamart, 4,5% de plus que Montrouge et 6,5% de plus que Fontenay-aux-Roses. Alors certes, on a le droit de penser que la crise du Covid-19 a eu un impact négatif sur la participation, notamment parmi les plus âgés de nos concitoyens. Ceci pris en compte, notre taux d'abstention, qui est de 54,3%, reste néanmoins préoccupant. Il nous faut donc réfléchir collectivement, majorité et opposition, aux moyens de faire revenir, lors des prochains scrutins, les abstentionnistes dans les bureaux de vote, pour commencer à résoudre cette crise de la démocratie, qui est aussi une crise nationale. C'est mieux en effet pour tout le monde d'avoir les électeurs dans les bureaux de vote plutôt que sur les ronds-points, je ne développe pas. C'est mieux pour tout le monde donc d'avoir ces électeurs dans les bureaux de vote. Quelques pistes pour redonner aux abstentionnistes le goût d'aller voter. Appliquer le programme sur lequel on a été élu,
Donc ça, c'est un premier levier, la majorité est directement concernée. Écouter les Châtillonnais et les Châtillonnaises, et surtout les entendre pour mieux les comprendre, et puis les associer plus et mieux à la marche de la cité, ce que l'on appelle par ailleurs la démocratie participative. Je reviens au résultat du vote. Le nombre de voix notamment obtenues pour chaque liste, rassemblé pour Châtillon 4364 voix, soit un pourcentage de 43,83%. Liste J'aime Châtillon, 5593 voix, pourcentage 56,17%. La liste J'aime Châtillon a donc obtenu la majorité absolue des voix. Au niveau de la répartition des sièges, il a été attribué à la liste J'aime Châtillon, qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une fois que cette attribution a été opérée, les autres sièges ont été répartis à la proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Au final, je vous évite les calculs en détail, les sièges du conseil municipal de la commune de Châtillon sont répartis comme suit. Rassemblés pour Châtillon, 8 sièges. J'aime Châtillon, 31 sièges. En conséquence, sont déclarés installés dans leur fonction de conseillers municipaux les 39 élus cités lors de l'appel à l'ouverture de la séance auquel je viens de procéder. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire de la commune de Châtillon. Donc, je vais appeler de façon nominale chaque membre du conseil municipal et il ira voter dans cette urne qui se trouve ici. Auparavant, nous allons désigner deux assesseurs. La règle républicaine veut que ce soit les deux plus jeunes conseillers municipaux. Donc, il s'agit de Antoine Jouenne et de Carole Guilherme. Donc je vais leur demander de s'approcher. Il y a des chaises. Je ne sais pas s'il y a un siège. Je vais attendre que les enveloppes soient distribuées. Donc les candidatures, Nadège Azaz. Qui d'ailleurs va être la première à aller voter.
prendra pas part au vote. Je ne prends pas part au vote. Ne prends pas part au vote. Sylvie Lafort, 10-10. Ne prends pas part au vote. Donc nous avons 39 votants, 8 n'ont pas pris part au vote, exprimés 31. Donc on commence le dépouillement.
Donc, les résultats sont les suivants. Donc, inscrit 39, exprimé 31, Nadège Azaz, 31 voix. Nadège Azaz est élu maire de Châtillon. J'ai encore un petit mot avant de te remettre maintenant l'écharpe de la première femme maire dans l'histoire de Châtillon. J'ai vérifié ça. Première femme maire de Châtillon. Tu avais un an et demi quand Jean-Pierre Chostek a été élu en 1983, maire de Châtillon pour la première fois. Aujourd'hui, c'est la fin d'une histoire de 37 années. Jean-Pierre Chostek pouvait-il savoir, quand il te remettait à la fin des études de primaire le fameux dictionnaire, que quelques dizaines d'années plus tard, c'est toi qui lui succéderais ? Comme toi, dimanche soir, j'ai à ce moment une pensée pour trois anciens conseillers municipaux d'opposition socialiste, malheureusement disparus, et qui auraient bien aimé être avec nous aujourd'hui pour cette passation de pouvoir. Je veux parler de Catherine Doiret, de Guy Métivier et de Jean-Pierre Bourgoin, les deux derniers étant partis au début de cette année. Pour terminer sur une note plus gaie, le hasard fait qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et c'est un très beau cadeau d'anniversaire pour moi que de te remettre officiellement à la gamine de Châtillon, toute fraîchement élue, son écharpe de maire. Toutes mes félicitations pour cette victoire sans appel. Bonne mandature, Madame la maire. Que le changement soit avec toi, que le changement soit avec nous. Merci. Chers collègues, chers amis, chères Châtillonnaises, chers Châtillonnais, quel honneur, quelle fierté, quelle responsabilité pour moi de devenir ce jour devant vous la maire de Châtillon. Quelle fierté d'être la représentante d'un magnifique collectif qui a su proposer un nouveau chemin. J'aime Châtillon. Pour une enfant de la ville comme moi, qui n'est connu, tu l'as rappelé, cher Patrick, qu'un seul maire tout au long de ma vie, comme beaucoup d'ailleurs de Châtillonnais, il y a quelque chose d'extrêmement symbolique dans cette prise de fonction. Car vous le savez, je suis née à Châtillon, j'ai grandi à Châtillon, j'ai travaillé pour Châtillon, j'élève mes filles à Châtillon et j'aime profondément et passionnément Châtillon. Notre ville est une pépite, trop longtemps délaissée. Lors des élections municipales des 15 mars et 28 juin, les Châtillonnaises et les Châtillonnais ont fait le choix du changement à une très large majorité, plus de 56% des suffrages exprimés. Dans un contexte difficile, nous avons obtenu le plus fort taux de participation des Hauts-de-Seine. Alors que partout, les équipes sortantes ont été renforcées, à Châtillon, c'est bien le renouvellement et l'alternance démocratique qui ont été choisis par nos concitoyens. Vous avez clairement exprimé ce dimanche votre envie d'écrire une nouvelle page pour Châtillon. Cet élan,
Nous l'avons vécu pendant toute la campagne à vos côtés. Des moments d'échange, des moments de partage, de rencontre. Quel merveilleux exercice démocratique que celui d'élire le, la, maire d'une commune. Je tiens particulièrement à saluer à ce titre l'ensemble des colistiers et des militants qui ont participé à cette campagne, quel que soit leur engagement. Ils ont fait vivre la démocratie et cela doit être salué. Je vous demande de les applaudir. Je tiens également à saluer l'opposition municipale dans son rôle essentiel de vigilance, qui, je l'espère, sera constructive. Ils seront respectés. Je ne saurais reproduire le mépris et l'arrogance vis-à-vis des contre-pouvoirs nécessaires et des corps intermédiaires. On n'a jamais raison tout seul. Je veux, évidemment, vous remercier, chers habitants, car vous nous faites confiance. Je pense à vous tous, que j'ai croisés, que je continue de croiser, qui me parlent de cadre de vie, de besoins de liens sociaux, de vives inquiétudes quant à la sécurité de leur quartier, de leurs craintes quant à l'avenir de leurs enfants. Vous, qui nous avez exposé votre formidable envie d'énergie, d'une ville dynamique, sereine, heureuse, d'une ville où l'on se promène et où l'on se déplace en sécurité, quel que soit son mode de transport, d'une ville plus végétale, qui permet de mieux vivre et en bonne santé, d'une ville où l'on apprend dans de bonnes conditions, d'une ville où l'on consomme local, d'une ville où l'on vieillit sereinement, d'une ville où l'on se retrouve pour partager, d'une ville animée le week-end et même l'été, d'une ville inclusive et sportive qui permet l'émancipation de tous, d'une ville solidaire, d'une ville où chacune, où chacun trouve sa place, d'une ville faite de beaux petits matins au quotidien, pour nos enfants, pour nos seniors, pour nos familles, pour nos agents, pour nos associations, pour nos commerçants, pour vous tous qui êtes l'âme de Châtillon. Vous avez pu le constater ces dernières années. Ma détermination est sans faille et mon engagement total. Oui, nous œuvrerons pour un lycée à Châtillon. Oui, nous œuvrerons pour un commissariat dont l'absence vous préjudicie au quotidien. Nous nous appuierons sur notre jeunesse qui appréhende les défis d'aujourd'hui et les principales mutations, comme l'indispensable transition écologique. Nos jeunes, que l'on dit défiants et désabusés, nous ont donné une magnifique leçon d'engagement civique ce dimanche, en se mobilisant largement. Quelle est belle cette démocratie quand elle est plurielle. Pourtant, la période de crise sanitaire que nous venons de traverser nous oblige aussi à accélérer sur un certain nombre de défis majeurs. Oui, la question de l'écologie doit être traitée comme un sujet principal au niveau local et de manière transversale sur l'ensemble des politiques publiques que nous mènerons. Oui, la solidarité et la santé de proximité doivent être des sujets majeurs de gouvernance. Oui, l'accompagnement de nos personnes isolées, fragiles, précaires, âgées, doit être une priorité dans le cadre des politiques publiques municipales que nous mènerons. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé, compte tenu des enjeux majeurs liés à la situation actuelle, de ne pas déléguer les questions autour de nos seniors pour l'instant et de gérer directement cette délégation qui me sera rattachée. Merci d'ailleurs à vous toutes, à vous tous, chers Châtillonnaises, chers Châtillonnais, pour ces élans spontanés de solidarité. Vous avez innové pendant la crise du Covid. Lien social, aide, accompagnement, dans tous les quartiers. Vous avez été bienveillants et engagés. Les Châtillonnaises, les Châtillonnais sont formidables et ils le prouvent. Je crois qu'on peut là aussi peut-être les applaudir. Avec les élus de la majorité, nous sommes prêts à assumer les responsabilités que vous nous avez confiées. Nous serons des élus dévoués au seul intérêt général, des élus de proximité, des élus du quotidien. Je souhaite les saluer personnellement pour leur engagement sans faille, pour leur dévouement absolu aux Châtillonnaises et aux Châtillonnais. Quelle belle équipe, unie, solidaire, riche de son altérité, forte de sa cohésion. Nous travaillerons par secteurs transversaux. La tâche est rude. Les services sont désorganisés, les agents laissés pour compte du fait d'une gestion délétère ces dernières années, la somme des intérêts particuliers ne pouvant jamais devenir l'intérêt général. Je souhaite ce soir, je sais qu'ils me regardent, leur dire toute ma gratitude pour leur engagement dans des périodes difficiles, dans un contexte politique compliqué. À ce titre,
et pour établir avec les agents un véritable pacte de confiance, je garderai également la délégation des ressources humaines comme autorité territoriale. Elle ne sera pas déléguée. Nos agents sont les ambassadeurs de la ville, les premiers interlocuteurs des Châtillonnais, à leur seul et exclusif service. Pas au service d'élus, pas au service d'un clan. Ils doivent être accompagnés, ils doivent être valorisés. C'est d'ailleurs le seul intérêt général qui doit guider notre engagement d'élus. J'aurai d'ailleurs dans quelques instants l'honneur de lire la charte de l'élu local. Mais nous irons plus loin sur la nécessaire exigence d'éthique et de transparence. Et un déontologue indépendant sera bientôt désigné pour nous accompagner. Le non-cumul dans le temps, vous le savez, est aussi un engagement ferme de ma part. Pas plus de 2 mandats. Il est indispensable d'oxygéner la démocratie. Alors, merci du plus profond du cœur pour cette confiance dont nous devons être dignes. J'ai évidemment une pensée pour tous ceux qui nous ont accompagnés vers le changement, ces militants dévoués, désintéressés, unis sur la base de leurs convictions. Je souhaite également remercier celui qui fut mon directeur de campagne, engagé, rigoureux, travailleur, et qui devient aujourd'hui mon directeur de cabinet. Une pensée précieuse pour celles et ceux qui se sont engagés lors des derniers mandats, dans la majorité comme dans l'opposition, ceux qui ont rempli leur rôle d'élu local, qui ont préféré pour certains s'arrêter, guidés par leurs valeurs. Une pensée, tu l'as dit Patrick, pour ceux qui nous ont quittés, pour Catherine, pour Jean-Pierre, pour Guy. Ils sont avec nous dans nos cœurs et dans nos pensées. Je salue également Thierry Val qui nous regarde aujourd'hui. Gilles Perronnet, conseiller municipal de la majorité nouvellement élu, je te salue également, l'ami. Tu seras très prochainement à nos côtés pour participer à ce mandat. Et là, c'est nous qui t'envoyons toutes nos pensées positives, cher Gilles. À titre plus personnel, je vais y arriver. À titre plus personnel, permettez-moi de remercier ma famille. Pardon. Mon père, ma mère, qui il y a plus de 40 ans, ont choisi de déposer leurs valises dans cette ville, qui m'a permis d'être celle que je suis. À mon frère, qui lui aussi est un enfant de Châtillon, et qui, comme un grand nombre d'entre vous, se considère toujours là où il est, comme un enfant de Châtillon. Je ne peux, après cette campagne difficile et longue, que remercier mon formidable conjoint, qui m'a accompagnée à gérer le quotidien, dont nos 2 petites filles, alors que je travaillais sans relâche pour votre quotidien. Alors nous y voilà, chères Châtillonnaises, chères Châtillonnais, chers amis. Le début d'une histoire commune et concertée. Le travail sera rude, le quotidien parfois difficile, mais à cœur vaillant, rien d'impossible, et du cœur, nous en avons, parce qu'avant toute chose, nous aimons Châtillon, et nous irons loin pour Châtillon. Je vous remercie. De continuer l'ordre du jour. Excusez-moi, Madame la maire,
Est-ce qu'il serait possible également de... Carole Guillaume, ici. Pardon. Est-ce qu'il serait possible également prie, de prononcer quelques mots? Je vous en prie. Merci à vous. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, chers concitoyens qui nous écoutaient et nous regardaient ce soir, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et singulier. Une nouvelle page s'écrit pour notre ville. Faire vivre la démocratie, c'est savoir reconnaître l'alternance. C'est en cela que nous entendons être une opposition responsable et rigoureuse pour les Châtillonnaises et les Châtillonnais. Responsable, car nous incarnons de facto une voix qui représente les nombreuses personnes qui n'ont pas choisi ce projet municipal. Rigoureuse, car nous prenons l'engagement de servir notre ville comme l'incarnation d'un contre-pouvoir. Nous vérifierons sérieusement les engagements et les actions de la majorité en place. N'attendez pas de nous une opposition molle et stérile, comme trop souvent constaté. Notre pays traverse des soubresauts démocratiques depuis plusieurs années, les promesses de campagnes irréalistes. Nous regrettons naturellement que l'élection municipale se soit déroulée dans un contexte de faible participation, entamant en cela la légitimité qu'on lui accorde usuellement. 54% d'abstention. Il ne faudrait pas oublier l'ensemble des citoyens qui pensent et veulent agir autrement. L'attente des Châtillonnais sur le programme que vous nous avez présenté, Madame la maire, est pressante. Que ce soit sur les sujets de sécurité, en particulier dans le quartier de Maison-Blanche, d'éducation, avec la venue d'un nouveau lycée sur la ville, ou encore de mobilité, avec la constitution d'un ambitieux réseau de pistes cyclables. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le lieu où flotte son drapeau, où s'inscrit sa devise. Liberté, égalité, fraternité. Chacun d'entre nous est à partir de ce soir un représentant de cette République, avec ses lois, ses valeurs fondamentales. Notre engagement sera constamment tourné vers ce service et cet intérêt général. Châtillon ne se limite pas à ses frontières géographiques. L'action coordonnée avec le territoire, le département, la région seront déterminantes afin d'atténuer le choc financier, social et économique face auquel nos concitoyens se trouvent. Je voudrais adresser naturellement un message particulier aux employés municipaux. Le principe de notre administration, c'est la continuité républicaine. Nous connaissons le dévouement des agents municipaux, leur professionnalisme et leur expérience. Nous tenons simplement à les saluer. Madame la maire, une lourde charge pèse sur vos épaules. Vous l'avez répété, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors, une nouvelle fois, toutes mes félicitations et bon courage. Je vous remercie, Madame Guillard. Je vous propose la délibération qui va fixer le nombre d'adjoints au maire de la commune de Châtillon. En application des articles L2122-1 et L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint au maire et au maximum d'un nombre d'adjoints au maire correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le nombre des membres du conseil municipal est fixé selon le nombre d'habitants, soit 39 conseillers pour une commune de 30 000 à 39 999 habitants. À ce jour, le nombre d'habitants de la commune de Châtillon est de 37 696 et le nombre d'adjoints au maire de la précédente mandature était de 11. Pour cette mandature, l'effectif global du conseil municipal s'établit donc à 39. Le nombre d'adjoints au maire ne pourra pas dépasser 11. Je vous propose donc de fixer à 11 le nombre d'adjoints au maire de la commune de Châtillon, ainsi que de m'autoriser à prendre tous les actes et mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je n'ai peut-être pas besoin de lire tout ça à chaque fois, n'est-ce pas ? Je vous propose de passer au vote. On vote à l'urne pour les adjoints ou pas ? Pour le nombre, la fixation ? Fixation ? Oui ? Non ? Alors, donc, pour un nombre d'adjoints égal à 11, y a-t-il des conseillers municipaux qui ne souhaitent pas prendre part au vote ? Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie pour ce vote unanime. Élection des adjoints au maire de la commune. Nous allons donc procéder à l'élection de 11 adjoints de Châtillon. La liste du groupe J'aime Châtillon m'a donc proposé 11 noms. Y a-t-il d'autres listes ? Je vous laisse un délai de 2 minutes, c'est réglementaire.
Donc vous pouvez soit insérer le bulletin qui vous a été remis. Soit peut-être. S'il n'y a pas d'autres listes proposées, je vous propose donc qu'on passe au vote. Je rappelle nos plus jeunes conseillers municipaux, donc Madame Guilherme et Monsieur Jouenne, s'il vous plaît. Thank you.
Je ne prends pas part au vote. Élodie Dorfiac. 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 Et le dernier, Élodie Dorfiac. Donc 31, on les rencontre du fait.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Hop, il faut qu'on se fasse tous les trois. Donc sur 31 suffrages exprimés, 31 votes en faveur de la liste d'adjoints déposée par Jem Châtillon. Bravo à tous. Je vais vous proposer une toute petite interruption dans le déroulé de la séance, puisque je pense que c'est un moment démocratique extrêmement important. Et donc, nous allons procéder à la remise des écharpes et insignes pour l'ensemble des adjoints, conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux de la majorité comme de l'opposition. Donc, je vais appeler les élus concernés. Alors, je cherche juste ma liste. Je crois que de mémoire, je peux quand même appeler Madame Dorfiac comme première adjointe. Bravo à elle. Monsieur Videlocher. Un beau cadeau pour ses 70 ans, je dois dire, n'est-ce pas, cher Patrick ? Madame Gourrier. Monsieur Adroud. Madame Gillard. Monsieur Vaudour.
Madame Chalvin. Et Monsieur Jouenne. Madame Fally. Je vais maintenant appeler les conseillers municipaux délégués pour leur remettre une insigne. Monsieur Nicolas Bost. Bravo. On peut applaudir quand même Nicolas, s'il vous plaît. Madame Nevenka Kanagye. Madame Marine Cavillon. Félicitations, bravo. Monsieur Alain Coléoc. Le problème, c'est qu'on ne va pas mettre après tous les élus. Ben, je ne sais pas, tu dis, c'est pas tu dis. Bravo Alain. On va vite se retrouver tout le conseil municipal ici. Hein. Monsieur Jean-Pierre Ferret. Ouais. Et on fait... Monsieur Pedro Garcia. Bravo, pardon. Merci. Madame Ségolène Guertin. Bravo à toi. Monsieur Andy Kangoud. Monsieur Yannick Mandaba. Après, tu feras mal. Madame Nicole Mendy. Monsieur Christophe Mouton. Bravo. Christophe qui a des fans. Félicitations à toi. Madame Nathalie Pavageau. Son vélo. Bravo à toi, Nathalie. Bravo à toi. Monsieur François Ripaud.
Madame Acevedo Caro. Monsieur Jean-Jacques Jacquet. Bravo à toi. Madame Lassoï Tan, NBN. Madame Delphine Nébor. Et après, c'est tout. Ouais, le plan est là. C'est bon. Bravo à toi, Delphine. Antoine Rugissard, qui n'est pas là, sera également conseiller municipal délégué. Il est ce soir excusé. Et évidemment, encore une fois, une énorme pensée pour Gilles Perronnet, à qui nous envoyons toutes nos ondes positives. Voilà, Gilles, nous sommes avec toi et bientôt, c'est toi qui seras en présentiel avec nous. Je propose aux élus de la majorité d'aller se rasseoir et puis nous allons aussi appeler les élus d'opposition pour leur remettre leurs insignes. Félicitations à tous. Madame la conseillère départementale, Madame Anne-Christine Bataille. Monsieur Thierry Braconnier. Merci, monsieur Braconnier. Merci. Merci, monsieur Braconnier. Monsieur Alain Gazot. Merci beaucoup, monsieur Gazot. Merci. Merci à vous. Madame Carole Guilherme. Félicitations, Carole. Félicitations à toi. Merci. Madame Valérie Devet. Félicitations, Madame Devet. Merci. Merci. Monsieur David Lefebvre. Madame Sylvie Lafort, Miss Lévis. Merci. Et Madame Peggy Nicolas. Qui concerne ensuite les cartes, vous les récupérerez certainement au fur et à mesure, peut-être soit après la séance directement, soit auprès de l'administration. On va continuer. Donc, on reprend donc cette séance du conseil municipal après cette interruption républicaine. Je dois vous présenter la charte de l'élu local et vous en donner lecture. Donc, charte de l'élu local. Donc, en application de l'article L2121-7 du Code général des collectivités territoriales. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt,
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie. Il faut que je fasse voter. Non, on prend acte. Je vous demande donc d'en prendre acte. Pas de vote. Délibération suivante, élection de 6 conseillers de territoire supplémentaires pour représenter la commune au sein du conseil de territoire de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. À nouveau, j'ai reçu une liste pour le groupe J'aime Châtillon. Il y a également une autre liste qui, me semble-t-il, a été déposée. D'accord. On ne distribue pas du coup ? On distribue. D'accord. D'accord. Donc, deuxième liste déposée pour le territoire, numéro 1, M. Gazot, numéro 2, Mme Lafort, numéro 3, M. Braconnier, numéro 4, Mme Nicolas, numéro 5, M. Lefebvre, numéro 6, Mme Devey. Pour cette liste-ci, je vous propose de n'indiquer que le nom de M. Gazot comme tête de liste pour éviter d'avoir à écrire les six noms à la main. Je propose à nos deux assesseurs, M. Joanne et Mme Guilherme, s'ils en sont toujours d'accord, de bien vouloir se rendre à l'urne. Donc, Nadège Azaz a voté. Madame Dorfiak. Et Monsieur Jacot se prépare. A voté. Madame Monceny se prépare. A voté. Alors non, Madame Monceny se prépare pas. Ah oui, pardon. C'est moi qui suis trop en avance. Ils n'ont pas fini de distribuer, c'est ça ? Qu'est-ce qu'elle a, Françoise ? Elle n'a pas eu les bulletins. Merci, Madame Monceny. Monsieur Videlocher se prépare. À voter. Madame Gourier se prépare. À voter. Madame Gourier. Monsieur Hadjroud. À voter. Madame Gillard. À voter. Monsieur Vaudour a voté.
Madame Chalvin. À voter. Madame Fally. À voter. À voter. Monsieur Perronnet, donc Madame Monceny pour Monsieur Perronnet. Et Monsieur Colléoc. À voter. Monsieur Ferret. À voter. Et Monsieur Garcia. À voter. Madame Canaguet. À voter. Madame Pavageau. À voter. Et Madame Mendy. À voter. Monsieur Mouton. À voter. Madame Nguyen. À voter. Monsieur Bost. À voter. Madame Guertin. À voter. Madame Nébor. À voter. Monsieur Mandaba. Prends ton temps. À voter. Monsieur Ripaud. À voter. Monsieur Kangoud. À voter. Madame Cavillon. À voter. Madame Dorfiac pour Monsieur Rogissart. À voter. Monsieur Gazot. À voter. Madame Lafort. À voter. Monsieur Braconnier. À voter. Madame Bataille. À voter. À voter. Madame Nicolas. Et Madame Guilherme. T'as pas voté, Antoine ? Je t'ai pas appelé ? Pardon ? À voter. Madame Guilherme. À voter. Monsieur Jacquet. Ah oui, je t'ai oublié. Madame Devet, à voter. Et Monsieur Lefebvre, à voter. Monsieur Jouenne, que j'ai oublié, pardon. Je n'étais pas dans le... À voter. À voter. Je vous propose qu'on dépouille. Ah, pardon. Mais, c'est pas bonne, ma liste. Et Madame Caro Acevedo. Acevedo Caro, pardon. Est-ce que tout le monde a bien voté ? Parce qu'il manque des noms. Oui ? Tout le monde a bien été à l'urne ? À voter. Je vous propose qu'on procède au dépouillement. Tiens, vas-y, Antoine. Oui, j'ai voté. Je crois que j'ai voté. Oui, j'ai voté.
l'administration est en train de calculer, a priori, ou pas de... Alors, je vous redonne donc les éléments. Donc, 39 enveloppes, 39 suffrages exprimés. Pour la liste J'aime Châtillon, 31 votes. Pour la liste menée par M. Gazot, 8 votes. Donc, 5, je récupère un bulletin, pardon, 5 élus donc de la liste J'aime Châtillon. Je vais donc procéder à la lecture de leurs noms. Madame Élodie Dorfiac, Monsieur Stéphane Jacquot, Madame Françoise Monceny, Monsieur Lounès Adjroud et Madame Martine Gourrier. Et donc Monsieur Gazot pour l'opposition. Bravo à vous, vous êtes conseillers territoriaux. Je siège aussi évidemment comme maire au sein du conseil de territoire. Je crois qu'on a fini. Les services. Il n'y avait donc plus d'autres délibérations à l'ordre du jour de ce premier conseil municipal, qui est un conseil municipal d'installation, donc un moment très fort d'un point de vue républicain. C'est une nouvelle mandature qui commence. Donc, encore une fois, bravo à tous. Merci de vous engager pour nos habitants. C'est un exercice démocratique qui est extrêmement important. Il y a peut-être une autre délibre, c'est ça ? Madame la maire fera avancer le conseil de jour. Oui, absolument, absolument. Je vous donne quelques éléments de calendrier pour que d'ores et déjà vous puissiez bloquer. Donc il y a un conseil territorial pour les conseillers territoriaux qui viennent d'être désignés le 9. Le 10, pardon, à 18h certainement, 18h30, donc le 10 juillet à 18h30, premier conseil territorial, et nous aurons un conseil municipal le 9, le jeudi 9 à 19h. Voilà, jeudi 9 à 19h, conseil municipal pour les délibérations qui ont trait notamment aux désignations, et le 10 pour les conseillers territoriaux. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir, pour votre engagement. Et que vous dire de plus que vive Châtillon désormais. À bientôt. Tous les élus, pardon, je vais finir par vous laisser tranquille. Tous les élus sont attendus pour aller prendre une photo derrière. Il y a un petit studio photo qui a été monté, donc... N'hésitez pas à aller prendre votre photo. Et merci à l'administration qui a fait un travail incroyable et extrêmement éprouvant. Merci à eux. En tout cas, si elle m'entend, merci à ma maman pour ce très beau bouquet qu'elle m'a fait livrer ici. Merci à elle.